La nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires. Bonjour, je suis Raphaël Walukonka. Je suis ravi de m'associer à Sainte Wave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 dollars à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 dollars offerts. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karenga en territoire de Masisi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kai. La nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires aux commandants des opérations, parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23-RDF a eu lieu. Donc, comme je le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant général Falsi Kabwe le matériel récupéré sur l'ennemi. Et donc pour vous dire que les M23-RDF sont venus tenter leur aventure, mais ils ont fait face à la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président